Et Yamina Cedri, on se retrouve pour la suite de Fire Emblem Three House. Alors, dans le dernier épisode, donc comme vous avez vu, on a dû choisir donc les trois maisons qu'on a voulu. Donc moi, j'ai choisi la mienne. Après avoir choisi ma maison, nous avons fait un petit chemin donc pour aller donc au monastère, comme il l'appelle, si je dis pas de conneries. Et donc, on a fait la rencontre de Dame Léa, et donc notre père nous a dit quand même de bien faire gaffe à elle. Et puis voilà, il n'y a rien de spécial. On a vu à peu près chaque personne, leader et ceux qui l'accompagnent, je pense qu'on va plutôt les appeler pour l'instant les étudiants, qui les accompagnent et qui on pourra, donc comme j'ai dit dans l'épisode précédent, entamer une relation, que ce soit amoureuse ou normale, tout simplement. Et là, notre mission, c'est d'accepter la mission de Rhea, on voit à gauche. On peut visiter juste pour l'instant le début parce que les portes sont fermées. Parce qu'il va falloir, je pense, accepter la mission de Rhea, vous voyez, pour pouvoir passer par là. Donc, voilà. Est-ce que eux, on peut leur parler? Ah, je suppose que vous êtes un peu surpris que je vous recommande pour un poste de professeur ici. Pour être honnête, nous avions quelqu'un d'autre en tête. Mais cette personne s'est enfuie durant notre affrontement contre les bandits. On ne peut pas confier des élèves à quelqu'un qui les a abandonnés, hein? Vous avez sauvé la vie des étudiants sur votre route. Cela au moins, c'est admirable. Alors, faites le tour du monastère et assurez-vous de saluer tout le monde. Bon, bah, on va voir Dame Léa. J'imagine que vous serez amené à enseigner ici, à l'académie. Les officiers, n'est-ce pas? Ouais, voilà, je crois qu'ils avaient dit monastère, mais en fait, c'est... On va dire aussi académie, quoi, ça... Ça fera plus... Académie, ça fera plus style école. Donc, oui. Pour commencer, veuillez vous entretenir avec les trois délégués de maison. Prenez également le temps de familiariser avec les environs. C'est là votre première tâche, ici, au monastère. Ouais, j'avais bien dit monastère, c'est bien ça. Mais on va devenir plutôt dire académie. Vous n'avez pas d'objection? Vous aurez terminé, revenez me voir. Voir la quête. Prenez un moment pour discuter avec les trois délégués de maison et en apprendre davantage sur les élèves. Vous devriez pouvoir les trouver au rez-de-chaussée de la salle de réception à l'académie des officiers. Voilà. Nombre d'individus fréquents au monastère sont susceptibles de vous demander de l'aide sous forme de quête. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc... Ah, donc maintenant on peut y aller, rez-de-chaussée. Ah d'accord. C'est pas ça nous met automatiquement, on doit aller dessus et appuyer sur la touche. Ok. Là, il y a quoi? Ah, ils sont habillés en tenue noire. Ils sont en tenue noire, eux. Alors, le fait qu'on est libre de nos mouvements comme ça, c'est cool. Alors, donc, faut parler. Vous avez trouvé Edelgar. C'est avec elle que j'ai commencé. Bah c'est elle que j'ai choisi pour la maison quoi. Alors, vous allez travailler au monastère comme professeur. Dommage. Vous aurez été un très bon élément pour l'Empire. Je ne me suis jamais présenté comme il se doit, n'est-ce pas? Je m'appelle Edelgar von Oula, Edelgar von Svleg. Je sais pas quoi. D'accord. Ah ouais. Non, ça fait style allemand le von Svleg. Ouais. Je suis la princesse héritière de l'Empire d'Adrestia. Peut-être vous chargeront-ils de guider les aigles de Jaïs. J'espère que vous aurez pu faire connaissance avec tout le monde. Souhaitez-vous en savoir plus sur les membres des aigles de Jaïs? On va marquer oui. Ah, d'accord. Donc en gros, là, c'est tous les membres. Donc il y a Hubert, Ferdinand, Linhard, Caspar, Bernadetta, Dorothea, Petra. Bah Dorothea. Peu de roturiers ont rejoint la maison des aigles de Jaïs, mais Dorothea fait exception. J'aime bien son look. Technique caractéristique, ok. Ah, c'est une chanteuse. C'était une chanteuse au sein du célèbre troupe d'opéra de l'Empire. J'ignore ce qui l'a amené à s'inscrire à l'Académie des officiers. Ok. Bon, ça, je regarderai de mon côté si on peut leur redemander.
Qu'est-ce que je voulais. Alors donc là, on voit la carte là-bas. C'est qu'ils sont là-bas. Voilà, vous avez trouvé Claude. L'Académie des officiers. Ok. Ah, il est là. Toi aussi, tu joues en vrai, Firehouse? Ah, c'est bien. Mais qui voilà? Vous avez décroché un poste de professeur, paraît-il. Quelle bonne impression vous avez dû faire. Je suppose que je devrais me présenter en bonne et due forme. Je m'appelle Claude. Claude von Liegan. J'appartiens à la famille dirigeante de l'Alliance de Leicester. Mais ne formalisez pas trop avec tout cela. Ok. Vous savez pas encore dans quelle classe vous allez enseigner ici? Vous aimerez sûrement la nôtre. Nous sommes moins rigides que les autres. Avez-vous déjà rencontré tous les cerfs d'or? Souhaitez-vous que je vous parle de plus en détail? Juste savoir qui c'est qu'il y a. Claude, Lorenz, Raphaël, Ignaz, Licitia, Marliane, Hilda, Léonie. Alors, hein, 80% composé de filles, hein, ton groupe, hein. Je comprends, hein. Je comprends bien, hein. Petit bourreau des cœurs, hein. Oh, t'es un petit coquin, toi. Toi, je t'ai compris, toi. Non, sauf qu'il est pas là. Il est pas là, lui. Ah, il est plus là-haut. On va plus aller là. Ah, Dimitri, le voilà. Veuillez accepter mes excuses pour l'autre jour. Vous êtes venu à notre aide alors que je ne m'étais pas encore présenté comme il se doit. T'inquiète, je m'appelle Dimitri. Dimitri Alexandre Bladed. Je suis le prince héritier du Saint-Royaume de Fergus. Bien entendu, au sein de l'académie, je ne suis qu'un simple étudiant. Et j'ai entendu dire que vous alliez être professeur ici. C'est une bien heureuse nouvelle. J'ai encore tellement à apprendre, mais je suis certain que je bénéficierai grandement de votre enseignement. Quoi qu'il en soit, bienvenue au monastère. Vous semblez chercher à en savoir plus sur les trois maisons. L'un des lions de saphir a-t-il retenu votre attention? Alors, Dimitri, Derdu, Félix, H, Sylvain, Mercedes, Annette, Ingrid. Mercedes, j'aime bien, ça a l'air d'être joli comme c'est fait. Ouais. Alors, j'ai gagné une épée de fer et une potion et 500 écus, je pense que c'est. Je pense que c'est toujours des écus. C'est ça. Je devrais sans doute retourner voir Réa. Retourner à la salle de l'audience. On fera le tour après. On va avancer quand même dans les petites missions. Je ferai mon petit tour après. Comment vous trouvez-vous l'Académie des officiers? J'espère que vous avez trouvé nos murs emplis d'âmes droites, pures et pleines de vitalité. J'imagine que l'heure est venue de vous de prendre la responsabilité de l'une de nos trois maisons d'étudiants. Je suis personnellement opposé à l'idée de confier une telle tâche à quelqu'un d'aussi inexpérimenté que vous. Mais c'est le souhait de Dame Oléa. L'aigle de Jaïs, le lion de Saphir et le cerf d'or. Ces trois maisons sont si différentes, j'espère que vous avez bien appris à connaître chacune d'elles. Puisque vous venez d'arriver, nous avons décidé de vous laisser choisir en premier. Manuela et moi-même prenons en charge les deux autres. Quelle maison je vais choisir? Bah franchement, l'Empire d'Adrestia, maison de l'aigle de Jaïs. Élève de l'Empire d'Adrestia, nombre d'entre eux sont nobles et la plupart utilisent la magie. Élève de Saint-Royaume de Fergus, chevalerie et art militaire sont leurs maîtres mots. Donc les lions saphir et la maison des cerfs d'or, élèves de l'alliance de Leicester, comme le veut leur tradition, et comptent sur des excellents marchés. Je pars toujours sur Dardrestia. Vous avez donc choisi les aigles de Jaïs, menés par Edelgar, c'est bien cela? Oui. Votre cœur a donc pris sa décision. Tout ce que je vous demande, c'est que vous guidiez ces jeunes esprits avec vertu, attention et sincérité. Ce sont tous des jeunes prometteurs qui portent l'avenir de Folden sur leur épaule. J'espère que vous avez conscience de l'honneur qui vous est fait. Grand frère, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous interrompre. Ils ont tous des ressemblances avec la petite fille là qui nous a accosté dès le premier épisode. Là. Non mais vous vous ressemblez tous. Ça doit être quelque chose, ça doit être de la famille. Non, je sais pas, c'est obligé. Je suis occupé, Flay. Est-ce urgent? Non, c'est rien. Mais dis-moi plutôt, qui est-ce? C'est le nouveau professeur de l'académie. Ça alors, une nouvelle recrue à l'académie des officiers. Ratifiez votre connaissance, professeur. Je m'appelle Flayne. Je suis la sœur cadette de Cetes. Je suis enchanté de faire votre connaissance.
Concentrons-nous sur le sujet qui nous intéresse. Il y a une chose que vous ne devriez pas ignorer. Dans quelques jours aura lieu une simulation de bataille entre trois maisons pour juger le niveau actuel des étudiants. Cette bataille sera également l'occasion de juger vos compétences. Ne décevez pas l'Arcvec. Ce sera tout. Ok. Donc, on a choisi bel et bien notre maison, alors que de base j'avais choisi ma maison, hein, mais c'est officiel maintenant. Attendez. Ah, c'est vous le nouveau professeur ? Alors, celle-là, je m'y attendais pas. Dis donc, Gaspard, tu pourrais être un peu plus poli, non ? Voilà Dorothea, elle avait un pécho, c'est déjà bon ça. Vous n'avez pas tort, mais vous perdez votre temps si vous espérez la moindre politesse de sa part. Bonjour professeur, ce sera un plaisir de suivre votre enseignement. Bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller faire une petite sieste. Ne me raidez pas comme ça. Oh. Évitez de me parler aussi. Ok, elle, c'est une timide. Désolé pour tout ce bazar. J'ai entendu dire que nous étions du même âge, professeur. J'ose espérer que ça ne vous dérange pas que nous parlions comme un camarade. Au sein de notre maison, malgré les différences d'âge ou de statut, on nous encourage à nous traiter les uns comme les autres sur un pied d'égalité. Et personnellement, j'aimerais vous inclure dans notre cercle, professeur. Bon, ça ne m'aurait pas dérangé dans les deux cas. Vous savez, professeur, vous avez un gros ventre. J'ai de la joie. Vous avez un gros ventre, j'ai de la joie à être dans votre classe. Hein ? Une seconde, Petra. Vous voulez pas plutôt dire un grand cœur ? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de mince et étudiant qu'il a un gros ventre. Ah, veuillez prendre mes excuses, j'étudie encore la langue. Ok, donc il y en a une qui étudie la langue, une qui est timide, une qui est très gentille avec moi. Un qui n'est pas, qui est pas trop poli, qui parle direct cash. Un qui veut m'inclure dans son cercle, ouais. Professeur, sachez que cela ne me dérange pas si vous me traitez comme tous les élèves. Dans l'enceinte de l'académie, la princesse impériale est une étudiante comme les autres. Ceci étant dit, j'attends énormément de vous. Je place également de grands espoirs en vous. Je sais que vous amènerez les aigles Jace vers la gloire. Bien sûr, si on brisait la glace avec une séance d'entraînement, je meurs d'envie de voir notre nouveau professeur en action. Briser la glace, c'est peut-être une tradition que je n'ai pas apprise dans mes études. C'est juste une façon de parler, c'est des expressions qu'on utilise pour dire qu'on veut apprendre à se connaître. Je ne veux pas m'entraîner. On ne peut pas avoir une leçon en classe plutôt ? Et pourquoi n'apprenions-nous pas mieux à nous connaître autour d'une tasse de thé ? Qu'en dites-vous, professeur ? Je sais que nous venons de nous mettre d'accord pour nous comporter comme des camarades, mais il y a des limites à ce que je peux supporter. La prestigieuse maison de Jaïs, de l'aigle de Jaïs, a besoin d'ordre. Alors l'autre, il est silencieux à droite, hein, celui qui est tout à gauche là. Ah non, c'est moi, il part. On dirait que votre première tâche en tant que professeur sera de trouver le moyen de mettre fin à tout ce vacarme. Lui, il a un air macabre, mais il est stylé. Il a un air ténébreux plutôt. En temps normal, ils sont un peu plus calmes. Je vous souhaite bien le courage, professeur. Merci. Ed Eldegar. Moi, je vais pécho Eldegar. Ou Dorothea, je m'en bats les steaks. Quoi, j'ai parlé tout fort ? Ah merde ! Donc voilà. Donc là, on a vraiment choisi notre maison. Là, on a vu donc tous les étudiants, on va dire, en gros, élèves étudiants qu'il y avait. On a fait leur connaissance, donc ils ont chacun un caractère qui leur est propre, donc ce qui est pas mal. Dorothea a l'air d'être sympa, pour l'instant. Après, faut voir, de nouvelles zones au monastère peuvent être explorées. La grise de Céros vous a octroyé 1000 écus pour les activités du mois. Ok, on passe du 24 au 26. Puisque vous êtes là, j'aimerais déterminer si vous possédez le pouvoir d'un emblème. N'ayez crainte, c'est parfaitement indolore. Vous ignorez ce que sont les emblèmes ? Dans ce cas, laissez-moi vous dire absolument tout à leur sujet. Vous avez du temps libre ? Cela prendra un moment. Les emblèmes sont un sujet fascinant. Mais avant de se plonger dans leurs études, il faut comprendre ce qu'ils sont. Les emblèmes sont un pouvoir. On dit qu'ils ont été conférés aux humains par la déesse en des temps immémoriaux. Ils existent dans la chair et sont transmis par le sang. Ceux qui possèdent un emblème peuvent exceller dans l'art de la magie, détenir une force exceptionnelle ou tout sort de dons. Chaque emblème possède son propre pouvoir, dont la nature échappe complètement à l'entendement humain, du moins pour l'instant.
Je le crois, oui. Mais ne pouvez pas en être absolument sûr tant que je ne serai pas penché sur la question. Comme je vous l'ai dit, les emblèmes sont transmis par le sang. Néanmoins, c'est pas parce que quelqu'un possède un emblème que les descendants en hériteront forcément. Seule une poignée des descendants d'une lignée hérite du pouvoir de l'emblème. Il est possible que l'un de vos ancêtres ait porté un emblème et que vous en aurez par chance, et dont vous aurez par chance hérité. C'est comme cela qu'un emblème se manifeste habituellement, après tout. Bien sûr, je vais m'y mettre, dès à présent. Bien, veuillez tendre votre bras par ici. Qu'est-ce donc cela? Vous n'avez jamais vu ce motif auparavant? Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un emblème inconnu? Quand je pense qu'il existe encore des emblèmes que même moi je ne connais pas, c'est grisant. Et pardonnez cet excès de jubilation. Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois réfléchir. Vous pouvez vous retirer. Je dois conduire davantage de recherches au sujet de cet emblème. Oui, beaucoup de recherches. Mais pour le moment, votre rôle ici est terminé. Que peut-il bien indiquer cette ligne? Peut-être qu'elle représente-t-elle un manque de symétrie? À moins que... Ça alors? Oh, je vois, c'est peut-être lié à cela, mais d'une manière plus intense que d'habitude. Donc on a un emblème inconnu, et l'emblème, je pense que c'est celui de l'écran de chargement qu'on voit. Une sorte d'emblème assez spécial et sympa. Oh, là on est le 27, donc ça a passé une journée. À chaque nouvelle lune, les professeurs de l'académie reçoivent leur programme du mois. Celui-ci indique les jours dans lesquels auront lieu les événements et les missions. Repérez bien les différents événements planifiés au cours du mois afin de pouvoir adapter votre enseignement en conséquence. La vie au monastère est organisée autour d'un programme d'activités qui change d'un jour à l'autre. Chaque semaine, vous pouvez choisir l'activité qui vous occupera en votre temps libre. Au début, votre action disponible sera d'explorer les monastères quartiers libres. Ok. Ben... Ouais, quartier libre, hein. Ouais, mais... Voici donc ma chambre. J'ai cru entendre une voix de jeune fille, mais j'ai dû rêver. Ok, donc ça c'est quoi? Le panneau d'affichage. Hey, tout le monde, vous voulez bien m'aider à attraper un délicieux poisson pour la cérémonie de l'honneur de Saint-Calmin? Ok, donc ça c'est le panneau d'affichage qui me permet de savoir les... Visez le lieu dortoir pour pouvoir par la suite vous y téléporter. Ok. D'accord. Ouais, non mais ouais. Donc là, il y a cette S qui est là. Ok, cette S. Edelgar. Il y a Kaspar là. Ok. Eh ben, on va visiter un peu le monastère avant de se laisser là, les amis. Je pense que c'est le mieux à faire. On va bien visiter tout le... On va bien tout visiter. Donc là, ok. Parlez au délégué de votre maison. Ouais, mais non, mais ça on fera plus tard. Je veux juste essayer... Est-ce que vous pourrez visiter, trouver les dortoirs ou je sais pas quoi? Vous avez trouvé Lysidista. C'est elle? Lysithéa là? Bonjour professeur, êtes-vous déjà allé à la bibliothèque? Elle est pleine à ras-bord d'informations tout à fait passionnantes. J'aimerais ne pas avoir à dormir pour pouvoir passer tout mon temps là-bas. Oui, dans un sens, en fait, je voudrais apprendre autant de choses que possible. Moi, c'est le dortoir que je veux. Je veux le dortoir, sa mère! Donc, attends, là on y a déjà été. Attendez, là il y a des escaliers là-bas, Il y a des escaliers, sa mère! Je veux passer, il y a des escaliers, ta mère! Ah non, c'est là les escaliers, ta mère. Ouais. Accès à l'étage. On va essayer de visiter un petit peu quand même. Histoire de voir et si on peut trouver le dortoir ou. Faire des futures quêtes intéressantes, ça peut être pas mal. Parce que là, vous voyez, là, je peux pas y aller. Je peux pas aller ça. Excusez-moi. On va essayer d'aller là.
Là, il y a quoi? Ok, donc là, c'est le bureau de CTS. Ouais. Quartier du capitaine. Oh, il y a mon père! Oh, il y a mon daron. Ouais, je vais pas lui parler, il me casse les couilles. Oula. C'est quoi cette trace par terre? C'est ton ombre. Ok. Je ferme ma gueule. Là, ça a l'air plutôt pour les gens haut gradés, là, en fait. Plus de gros grades. Je pense pas que c'est ici pour les dortoirs des élèves, hein. Non. Je pense que le dortoir des élèves, c'est pas du tout ici. Le gros souci. Là, je pense que je suis dans un truc un peu trop pour moi. Enfin, si je cherche les... Si je cherche les élèves, c'est pas ici que je vais les trouver, le truc des élèves. Donc, on va descendre. Ok. Bon, on va passer... Non, par là, ça m'intéresse pas. Oui, non, mais... Ah, mais c'est pas là qui... Ah, voilà. Parce que j'étais à contre-champ. Donc là, c'est la classe des aigles de Jaïs. Ok. Bon, au pire, si on pourrait voir pour faire d'autres missions. Mais là, pour l'instant, on va explorer. Histoire de... C'est toi qui va me pécho à vous, hein. Bonjour professeur, comment allez-vous? Si vous n'avez pas trop de travail, voudriez-vous faire un petit tour en ville avec moi? Si je reste enfermé trop longtemps dans ce vieux monastère poussiéreux, ça me rend un peu complètement folle. C'est toi qui me rends complètement fou. Elle est belle, Dorothea. Attendez, là, ça là, vous avez trouvé Annette. Donc là encore, on a trouvé un nouveau lieu. Ah non, d'accord, c'est même pas un nouveau lieu. C'est un des trois passages pour aller par là. Ok. Ouais, bah y'a pas de soucis. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Si on passe par là. Ah. Oh, le réfectoire. Ok. C'est là où on bouffe. Eh, j'ai la dalle. Donnez-moi à manger. Donne-moi à manger. Moi aussi, j'ai faim. Bordel. Serveuse. On peut pas encore partager un repas? Ok. Ok, donc on peut y aller et on peut pas y aller. Donc on peut faire uniquement la leçon de pêche. Bah, est-ce qu'on la ferait avant de se laisser la leçon de pêche? Allez, go. Allez, on va pêcher. On va pêcher un gros poisson. Voilà. Ah bah c'était ici en fait, donc j'ai de la chance. Bonjour professeur. Enfin, je vous appelle ainsi, mais je ne suis pas étudiant d'ici. Où puis-je vous rendre visite? Ok. Mon frère ne serait pas très heureux si vous entendiez des choses pareilles. Le monastère a la bonté de nous procurer un sanctuaire à mon frère et à moi. Il est ma seule famille. Ok. Alors, attends. Ok. Donc, à mon avis, ce que je vois, le truc rouge est là-bas pour le poisson. On va aller chercher le poisson. Oh, là-bas. Il avait un de ses putains de regards. Mais putain, quel bon poisson. On va passer peut-être par là pour les temps. Attraper un poisson dans les temps. C'est par là-bas. Moi, je vous avais faim, je vous préparais un bon repas pour vous remercier d'être venu en aide à son Altesse. Voir la quête. Ok. Ouais, c'est pas que je t'aime pas, mais moi je dois chercher un bon poisson dans les temps. Bon, bah les couilles, frère. Ah, là, on n'y a pas encore été. Ok. Ah, les dortoirs, c'est là. C'est bon, on a trouvé. C'est bon. C'est ici le dortoir. Ok. L'étang, il est là. Je pense que c'est ici. Serre et étang.
Ok. Vous pêchez, sélectionnez tout d'abord un appât, puis attendez que la silhouette d'un poisson vous intéresse et dessine sur la surface de l'eau. Dès qu'il apparaît, appuyez sur le bouton 1 pour qu'il morde à l'hameçon. Si vous êtes assez rapide. Ok. C'est bon, j'ai eu son poisson, je crois, non? Parler à Flayn. Ouais, c'est bon. Flayn, j'ai eu ton poisson! J'arrive! Elle sera contente que j'ai eu son putain de poisson. Je te jure. Voilà la vie de moi si elle est pas contente que je lui mette le poisson dans la gueule. Je lui fais même bouffer par les fesses. Je te jure. Oh, il y a des gens au dos de Pégase. C'est magnifique. C'est par là qu'il fallait aller. Et j'étais pas passé par là. J'étais plus passé par là-bas. C'est le temps qu'on s'habitue à le... Bah qu'on s'habitue à... Bah l'académie quoi. C'est bon, je l'ai eu ton poisson. Voilà. Ouais, on a terminé sa quête. Bon bah les amis, nous on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Fire Emblem Free House. Ciao ciao Mina.